Alors là, les amis, franchement, je m'y attendais pas. Mais alors, vraiment pas. Alors non, je vous parle pas du temps. On est en Belgique, c'est normal. C'est quand il y a du soleil que c'est pas normal. Je trouve même d'ailleurs qu'on se rapproche de plus en plus du temps de la Grande-Bretagne. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je veux vous parler de Malibu, les fourgons du groupe Cartago. Il y a une toute nouveauté. Enfin, il n'y a pas qu'une nouveauté. Il y a plein de nouveautés. D'abord, des upgrades de ce qui existait, mais surtout un nouveau véhicule surporteur Mercedes, surporteur en tout cas sur le Mercedes Sprinter. Alors vous allez me dire, oh, c'est pas le seul. C'est vrai, mais je vous garantis, pour moi, il est unique de ce que j'ai vu. Si vous voulez en savoir un peu plus, rendez-vous. Bah, il y a le lien qui est en haut ou en bas, selon que vous me regardez sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Et vous allez avoir l'occasion d'avoir le compte-rendu de toute la conférence de presse que Cartago a donné sur ces véhicules Malibu. Celui de Cartago arrivera dans quelques jours. Je vous garantis, il y a des choses à voir. Il y a même une vidéo sur le nouveau Genus, le 641 LE. Mais il n'y a pas que ça. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. Pour rappel, j'ai fait le même exercice sur pas mal de marques. Hein, Notin, Benimar, Fleuret Florium, je ne m'en sais plus. Il y en a encore d'autres. Mais, Morello. Voilà, donc bonne lecture, et pas que lecture, il y a pas mal de vidéos dans tous les articles. Oui, si tu es sur YouTube, pense à liker, commenter, et aussi évidemment là et là. Hein, c'est abonné, et c'est pour ma newsletter. Salut, gueuse.